Plus tard, je souhaite intégrer le marché du travail dans la branche administrative et dans le secteur médico-social et notamment dans les structures d'aide à domicile. Je suis secrétaire administrative multisite, c'est-à-dire je remplace les secrétaires sur tout le département. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la polyvalence du poste, donc pouvoir faire de l'accueil physique, de l'accueil téléphonique, de pouvoir vraiment répondre aux besoins de l'usager, de pouvoir l'écouter, de participer aux ressources humaines et de participer à la planification des interventions. Ma formation m'aide pendant mon alternance. On a différents modules qui correspondent, par exemple le module institution publique. Donc on apprend les différentes aides possibles en fonction des publics. On a un module communication qui nous apprend à être plus à l'aise à l'oral et pouvoir organiser des réunions d'équipe, par exemple. On a un module ressources humaines. Donc on apprend comment travailler avec le salarié du début de son contrat jusqu'à la fin de son contrat. Et ensuite, on a un module démarche de projet. Donc là, en deuxième année dans mon alternance, j'ai mis en place un projet. C'était d'accompagner les personnes âgées au numérique. Il y a une très bonne ambiance à la DMR, un bon état d'esprit, un esprit de confiance. Le fait de passer dans les différents services de la fédération m'a permis d'avoir un bon relationnel avec le personnel et j'ai été très bien accueillie et intégrée dans les différentes associations locales. Il y a un très bon relationnel avec les formateurs sont vraiment très disponibles. Je suis dans une classe à taille humaine, ce qui nous permet de réaliser différentes activités pendant le temps de midi ou après les cours. Ça se passe très bien avec Julie, elle est motivée, enthousiaste, très investie dans son travail et elle est toujours de bonne humeur, donc c'est un plaisir de travailler avec elle. Nous avons de très bons rapports avec la MFR de La Palma. Nous avons des contacts réguliers et faciles, notamment sur les questions pédagogiques et administratives. On va continuer puisque ça s'est très très bien passé avec Julie et l'autre apprentie. Et c'est avec enthousiasme qu'on accueille la troisième personne cette année.